c'est mon dernier conseil pour le marathon des Alpes. Pourquoi est-ce que le marathon des Alpes, ça serait une course à faire d'abord? Je pense que le marathon des Alpes, c'est une course à faire déjà pour le désert. Voilà, ceux qui connaissent pas le désert, qui sont jamais venus dans le désert, c'est assez envoûtant le désert. Je pense que c'est aussi évidemment un dépassement de soi, qui va au-delà des courses habituelles, qui va au-delà d'un 100 km, qui va au-delà d'un marathon, qui va au-delà d'un ultra-trail. Parce que ça prend en compte une préparation, le marathon des sables, que vous avez pas sur une autre course, hormis les autres courses à étapes. Voilà. La préparation d'une course à étapes en autosuffisance est très très spécifique. Faut pas se planter. Pas se planter parce que vous portez votre maison sur le dos comme un petit escargot, et si dans votre maison vous avez mis la mauvaise nourriture, les mauvaises chaussures, le mauvais t-shirt, les mauvaises lunettes de soleil qui cassent au bout de deux jours, vous rajoutez des bâtons dans les roues, si je puis dire, et ça va vous compliquer la tâche. C'est intéressant à gérer, c'est une tactique, c'est de la stratégie. Donc ça se construit peu à peu à l'entraînement. Se préparer les pieds aussi, hein. Pour se préparer les pieds, la meilleure des choses, c'est le tanopate. Le tanopate, c'est un produit pour les chiens, c'est un produit vétérinaire qui sert à renforcer, quand la saison de la chasse arrive, les coussinets sous les pattes des chiens. Et vous mettez ça sur vos pieds à vous d'humain, quelques mois avant. Alors je sais pas très bien s'il faut le mettre un mois avant, six mois avant, les avis sont partagés. Moi je l'ai mis un mois avant tous les jours, j'ai pas une ampoule. J'ai une micro ampoule. Donc ça marche très bien, voilà, ça vous fait les pieds tout jaunes, mais ça vous durcit la coigne du pied, là, ça vous durcit la peau, et du coup vous avez pas d'ampoule, voilà. Donc la préparation des pieds, la préparation du sac, du matériel, tout ça, ça fait partie de la course, et donc vous êtes déjà en train d'arriver dans le désert avant même d'être littéralement au Maroc, quoi. Et puis voilà, et puis je crois que le marathon des sables, hormis le voyage, hormis la beauté du désert, hormis la difficulté de la course, il y a un paramètre qu'on oublie trop souvent de citer, et qui explique aussi en partie le prix de l'inscription, qui fait polémique, hein, souvent sur les réseaux sociaux, le marathon des sables c'est trop cher. C'est vrai que le marathon des Alpes, 3000 euros sans l'aérien. Voilà, 3000 euros. C'est une somme. Donc ce point, c'est la sécurité. Le marathon des Alpes, c'est avec les plus grands marathons internationaux. Et je parle de New York, Paris, Londres, Berlin, Chicago, Tokyo, Los Angeles. Enfin, vraiment les gros marathons. C'est la sécurité. Voilà. C'est-à-dire que vous n'allez pas mourir sur le marathon des Alpes. Vous pouvez faire un arrêt cardiaque, vous pouvez faire une crise d'appendicite, vous pouvez tomber, vous cogner la tête. Les médecins, les équipes de secours et médicales du Marathon des Sables mettront tout en œuvre pour vous sauver, et vous sauveront certainement. Et ça, c'est un message fort, c'est un point extrêmement important, qui est souvent sous-estimé, parce qu'évidemment, on n'imagine pas que ça peut déraper, que ça peut mal se passer, voire mal se finir. Et je le rappelle, comme je l'ai dit tout à l'heure, les organisateurs du Marathon des Sables ont sauvé des vies plusieurs fois, grâce non seulement au talent, mais aux techniques et au matériel des équipes du Marathon des Sables. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement rare. Dans les courses aventures, à l'étranger, c'est quelque chose d'extrêmement rare, voire limite d'unique. Et c'est important de le rappeler. Le père de famille qui va faire le marathon des sables, il a quand même de très très grandes chances qu'il revoie sa famille. Le type qui va faire une course au fin fond de l'Amazonie, ou en Asie, en Thaïlande, ou je ne sais où, en Afrique, certes, il y a aussi de très grandes chances qu'il en revienne, on est bien d'accord. Mais si ça se passe mal, si à un moment donné ça dérape, je ne sais pas quelles sont les garanties qu'on peut lui fournir. Alors, il ne faut pas demander l'avis aux organisateurs, hein, parce qu'ils vont toujours vous dire il ne se passera rien, c'est hyper safe, il y a l'armée qui est là, on a des médecins, on a des trucs, ouais ok, mais dans les faits, pour avoir moi organisé des courses en Inde et pour avoir participé un peu à des courses partout dans le monde, le Marathon des Sables, c'est la référence au point de vue de la sécurité. Et ça, c'est un truc sur lequel je pense que Patrick Bauer ne négocie pas. Et c'est ce qui explique, voilà, la boucle est bouclée, c'est ce qui explique le prix de son inscription, que je ne trouve pas faramineux. Moi, ça ne me gêne pas de payer 3000 euros pour être certain que je vais rentrer voir ma famille. Piqûre de scorpion, piqûre de serpent, arrêt cardiaque, enfin, il peut vous arriver plein de choses, comme partout, hein. Mais là, c'est une assurance, vous avez la garantie que les organisateurs du Marathon des Sables feront tout pour vous sauver la vie. Et quand je dis feront tout, c'est pas juste une théorie, c'est pas en théorique, non, en pratique. Ils sont capables, en pratique, de vous sauver la vie. Et ça, on l'oublie trop souvent. C'est une course, évidemment, que je vous recommande. Je pense que c'est un truc à faire. C'est un truc à faire entre amis, c'est un truc à faire en couple, c'est un truc à faire tout seul aussi, parce que de toute façon, on se fait des copains souvent pour la vie. C'est une expérience très, très forte qui soude les gens entre eux. Donc c'est une course, évidemment que je vous recommande, comme plein d'autres, hein, dont je vous parle régulièrement. Mais celle-là tout particulièrement, je l'aime énormément. Et c'est et voilà. Merci Patrick Bauer, merci au Maroc, qui est un pays extrêmement accueillant depuis tant d'années. Je précise, hein, que la sécurité mise en place par les forces armées marocaines est très impressionnante. Voilà, vous avez des types en armes sur le bivouac chaque soir. Clairement, c'était pas le cas il y a 10 ans. Et donc, voilà, une fois de plus, je reviens sur cet aspect sécurité si important pour le marathon des Sables. Voilà. Mes amis, ciao, à bientôt. Continuez à nous suivre sur le blog pour des tests, de plus en plus de tests. Dernièrement, on n'en a pas trop fait. On a fait quelques changements en interne, mais ça va pas tarder à revenir. Des voyages, évidemment, des reportages, des opinions, des petites chroniques un peu péchues pour vous provoquer, pour vous titiller de temps en temps. Tout ça, évidemment, merci à Endurance Shop. Merci à Antoine Furneau, fondateur d'Endurance Shop. Et puis, on se voit très bientôt. Allez, salut.